Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Canamarac dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment forcer votre position géographique. Vous êtes par exemple en France, comment votre appareil Android ou le GPS de votre appareil Android précisément va indiquer que vous êtes par exemple en Espagne, en Amérique ou dans un autre lieu que vous allez vous-même choisir. Et quand est-ce qu'on a vraiment besoin de donner une fausse indication de notre position géographique? Donc, les détails, c'est après la pause. Alors, comme vous savez, donc votre position géographique peut être détectée facilement par vos amis en utilisant bien sûr des applications Android. Elle peut être détectée facilement par d'autres personnes qui utilisent des applications pour vous espionner. Dans ces deux cas, vous avez intérêt donc à modifier ou à donner une fausse position géographique. Dans un autre cas, si vous utilisez des applications ou Wi-Fi qui demandent le partage de connexion, dans ce cas, l'application vous demande donc d'activer premièrement votre GPS et dans ce cas, votre position géographique, elle va être détectée par cette application qui va collecter des informations qui vous concernent pour les utiliser dans d'autres utilisations telles que, par exemple, espionnage ou autre chose. Je ne parle pas ici des applications de partage du Wi-Fi, donc de renommée telles que Wi-Fi Map ou Wi-Fi Master Key, mais d'autres applications. Et dans ce cas, vous avez intérêt donc à cacher votre réelle position géographique pour que cette application ne peut pas accéder à votre position géographique réelle et par conséquent ne peut pas collecter les informations qui vous concernent et qu'elle cherche. Pour modifier ou pour forcer ou pour donner une fausse position géographique, il est possible en utilisant une application qu'on va aller sur Play Store pour l'installer ou elle est disponible, bien sûr, gratuitement. Une fois sur Play Store, on va chercher donc Fake GPS Location ou Faux GPS Location. Donc vous allez prendre la première, Fake GPS Location, et toucher un gratuit, puis installer. Donc, vous allez accepter que l'application va accéder à votre position photo information sur la connexion Wi-Fi. Donc, accepter. Donc, on attend l'installation. Donc, on va ouvrir l'application. Donc, vous allez ouvrir donc vos paramètres. Une fois dans options de développement. Donc, vous allez ouvrir vos options de développement. Une fois dans options de développement. Alors, si vous n'avez pas les options de développer, donc, dans votre appareil, vous devez donc les activer. Je vais vous mettre donc en bas de cette vidéo comment activer les options de développement. Alors, une fois dans les options de développement, vous allez venir sur application locale fictive, aucun. Vous allez toucher. Puis, vous allez sélectionner fake GPS, faux GPS. Et voilà, maintenant on va revenir à notre application. Et voilà, donc vous avez ici la position. Alors, ça c'est pas ma position réelle, mais je peux donc mettre ou donner une fausse position géographique qui me concerne tout simplement en déplaçant cela. Mais avant, vous pouvez donc venir ici sur les trois points. Et vous avez ici Setting, Paramètres, vous pouvez y accéder. Dans Paramètres, vous pouvez donc afficher l'icône en activant ici. Vous avez donc GPS Setting, History, Compte, Start or Not. Donc, démarrer l'application avec le démarrage de l'appareil. Ce n'est pas nécessaire. Alors, il n'y a pas grand-chose dans les paramètres. En déplaçant la carte, on va le mettre par exemple. Là où on souhaite, vous avez ici la carte du monde que vous pouvez y déplacer. Donc, on va la mettre devant États-Unis. Puis, on va confirmer avec OK en touchant ici.
Elle a maintenu donc notre position indiquée et les États-Unis, donc l'Amérique. Mais réellement, on n'est pas, je ne suis pas en Amérique. Ainsi donc, je peux donner une fausse indication géographique de ma position pour que donc les autres applications sur, dont on a parlé n'utilisent pas mon GPS réel pour collecter des informations qui me concernent, surtout pour l'espionnage et d'autres utilisations. Et là, donc, dans les notifications, on a ici fake GPS, donc les latitudes, voilà. Pause. Vous pouvez donc arrêter, on touche ici pause. Dans ce cas, vous allez donc revenir à votre position réelle. Mais il faut toujours activer ici donc le GPS. On a ici, on pause. Donc on pause, voilà. Maintenant, fake GPS est en pause. Et vous êtes votre position géographique maintenant est réelle. Si vous voulez forcer votre position géographique, vous allez revenir une deuxième fois dans l'application et vous allez donc là choisir votre position, fausse position géographique. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine fois.